Ah bah merde alors, ton licenciement c'est encore du cul. T'as vraiment l'esprit mal placé. Hein. Les relations sexuelles ont toujours été désintéressées. Le seul avec qui j'aurais pu coucher utile, c'est vous. J'aurais peut-être dû. Bonjour, je m'appelle Lambert. J'étais un dépendant sexuel. Et il est abstinent depuis 10 mois. 3 semaines et 2 jours. Il est temps que tu reprennes contact en douceur avec une femme. Mais attention, rien pendant les premières semaines, c'est comme après un régime. Je peux vous baiser? Enfin, je peux vous aimer? Tu veux ou tu veux pas? J'ai rendez-vous pour un travail. Si j'arrive en boitant, ça la fout mal, non? Vous venez pour le remplacement? Si tu veux. Alors, t'as trouvé une remplaçante? Elle est compétente? J'ai accumulé beaucoup d'expérience. Ici, on reçoit que des couples. C'est pour ça qu'on travaille en duo. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé en duo avec des hommes. C'est arrivé une fois, qu'une seule fois. Mais évidemment, tu n'as qu'une secrétaire. Mais à part ça, vous faites l'amour? Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Judith. C'est le Graal, cette fille. Elle est dangereuse. Votre bas est en train de filer. C'est pour vous indiquer le chemin. Elle revient à la charge sans arrêt, elle est prête à tout. C'est moi avant, en fille. Ah, parce que vous, le cul, ça vous plaît pas? Non, l'enjeu majeur, c'est le temps de la parole, de l'échange. Je peux la baiser une fois. Pas d'échange physique. Quand j'ai bu, je fais n'importe quoi. Je saute sur n'importe qui. Merci. Franchement, les coups d'un soir ne m'intéressent pas. Ah non, mais moi non plus. Plusieurs coups, plusieurs soirs, c'est mieux.